Après le déluge, Dieu a recommandé à Noé et ses fils de se multiplier et de peupler la terre. Noé et ses descendants ont pris un nouveau départ avec le Seigneur. Ils ont obéi à Dieu. Cependant, les descendants de Noé se sont multipliés et devenus de plus en plus nombreux, mais ne se sont pas dispersés comme Dieu l'avait ordonné. Ils se sont installés sur une plaine qui leur plaisait bien, la plaine de Shinéar. Ils se mirent à fabriquer des briques pour construire la ville. Puis, ils ont eu une autre idée, celle de construire une tour si grande qu'elle toucherait le ciel, pour qu'ils deviennent célèbres sur toute la terre et que leur nom soit connu. Mais oh là là, qu'est-ce qu'ils font? Ont-ils demandé conseil à Dieu pour cela? Hélas, non. Ils ne pensaient qu'à leur propre gloire. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux et tout ce qu'il leur avait donné. Ils sont devenus orgueilleux. Dieu a vu leur désobéissance, puis leur orgueil. Et comme ils parlaient tous la même langue, Dieu leur a donné plusieurs langues. Ainsi, tout d'un coup, ne se comprenant plus, ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Ils ont arrêté de construire la tour, la ville, et se sont dispersés sur la surface de la terre. Dieu est comme un père, il est notre papa du ciel. Il nous aime beaucoup et lorsqu'il nous voit sur le mauvais chemin, il nous avertit et nous fait comprendre que nous ne devons pas continuer sur ce chemin. Dieu est bon et tout ce qu'il fait pour nous, comme notre papa sur la terre, c'est ce qui est mieux. C'est le meilleur. Il nous a créés à son image. Nous avons de la valeur à ses yeux. Tout ce que nous avons nous vient de lui. Notre intelligence, notre force, nos talents, notre beauté. Sais-tu jouer d'un instrument? Tes parents te disent que tu es beau, que tu es belle? Sais-tu bien dessiner? Ta maîtresse te félicite pour ton travail? Encore plein d'autres choses. Alors pour cela, remercie Dieu, remercie-le parce que c'est lui qui t'a tout donné. Et si tu veux connaître cette histoire parfaitement, eh ben tu peux la lire dans le livre de la Genèse au chapitre 11. À très bientôt pour continuer notre voyage.